Petit à petit, la végétation a repris ses droits. Il faut dire que ce panneau est presque là depuis 2 ans. 2 ans que la chaussée est partiellement bloquée, sans un seul ouvrier. En guise de rambarde, ces sacs de gravats avec les piétons et les cyclistes qui se partagent l'ancienne bande des bus. Je suis déjà venu à vélo, je ne sais pas par où je dois passer. Je ne sais pas si je dois mettre de ce côté ici ou de l'autre côté des barrières. Et avec les piétons, c'est... chose, ben voilà, on est mal pris. Ce qui se passe souvent, c'est que quand le piéton passe ici, il croit qu'il peut passer par ici, et il y a les vélos qui commencent à sonner et leur dire de dégager, etc. Mais c'est bientôt la fin de la galère. 18 mètres plus bas, Bruxelles Mobilité vient de relancer les travaux. Les analyses de béton ont pris beaucoup de temps, d'autant que la structure a été construite il y a près de 150 ans. On fait la réparation et le renforcement du pont. Donc en ce moment, on est en train de réparer la voûte, mais aussi de renforcer les parties latérales du pont. La fameuse rambarde sera elle aussi réparée, mais pour certains, ce n'est pas assez. Solange Pitroipa est conseillère communale et elle veut que le pont soit réaménagé. Il est haut et particulièrement dangereux. La pierre ne vaut pas la vie de l'être humain. Il y a toujours un moyen pour vraiment garder la protection et en ajoutant par exemple des filets. Moi j'avais demandé une protection en plexiglas transparent. Problème, le pont est classé depuis 2015. On n'a pas eu besoin d'un permis d'urbanisme parce qu'on le fait comme il était auparavant. Si maintenant on avait décidé de faire une petite modification comme par exemple faire des garde-corps plus hauts, on aurait dû demander un permis d'urbanisme et ça a encore prolongé la procédure. Les travaux devraient se terminer d'ici novembre. Le trottoir et la bande de bus seront donc rouverts sur l'avenue de la Couronne, aux dépens de ces jolies plantes vivaces qui se sont développées au cœur de la ville.